jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. I'm just going home, have a late, late show. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 2 décembre, commence ma playlist, enfin ma série de vidéos sur Noël. Je sais pas si vous aurez remarqué, j'ai changé ma bannière. Je suis en train d'apprendre à utiliser Photoshop et donc j'essaie de m'améliorer pour que ce soit au maximum, enfin le plus cool au maximum. Alors, je sais pas si vous le savez, mais j'adore Noël vraiment. Et donc, l'année dernière, j'avais fait une vidéo par jour pendant un mois. Mais c'est vrai que c'était hyper épuisant, j'ai eu du mal à tenir. Et donc, je pense cette année, vous faire deux vidéos par semaine. Voilà, après, je dois passer mon code, je dois réviser mes concours. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai vraiment envie de vous plonger dans cette atmosphère que j'aime tellement. Alors, comme première vidéo, j'ai décidé de vous faire une wish list. Je sais que certains trouveront ces vidéos égoïstes parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de cadeaux pour Noël. Mais ces mêmes personnes qui vont juger, je pense que vous recevez aussi des cadeaux à Noël. Voilà, je m'excuse d'avance pour les personnes qui n'aiment pas Noël ou des choses comme ça. Voilà, enfin, je comprends parfaitement. Donc, juste... Si vous recevez des cadeaux que vous aimez pas, si vous avez des jouets en trop, la période de Noël c'est le moment où il faut trier ses vieilles affaires et donc je vous mets des sites en barre d'infos où donner des objets. Donc il y a le Secours catholique, il y a plein de trucs. Alors premier cadeau que j'aimerais bien avoir et que je vais sans doute avoir, c'est un casque Marshall. Il faut savoir que j'ai des écouteurs pourris. Depuis toujours, mais vraiment j'ai jamais eu de bons écouteurs. J'ai eu les écouteurs Apple qui ont arrêté de marcher au bout de 2 semaines et j'ai jamais eu de casque. Et donc en soi je trouve ça plus esthétique des écouteurs, mais je suis tellement pas soigneuse, enfin je vais les perdre et tout. Donc j'ai demandé un casque Marshall en Bluetooth pendant le Black Friday. Donc c'est mon père qui me l'a acheté, il coûtait 59€, ce qui est beaucoup moins que de base. Et même je trouve que même en audio, quand on devrait écouter les sons, quand on filmera et tout, enfin c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je suis trop contente, je vais l'avoir. Ensuite, toujours dans cette catégorie un peu électroménager, j'aimerais trop avoir la JBL, la petite enceinte que vous avez peut-être déjà vu plein de fois dans mes vlogs. C'est celle de ma soeur, j'aimerais trop avoir la même, c'est une waterproof. Et je sais que mon père elle avait eu en réduction l'année dernière. Les enceintes reconditionnées, c'est ouf, c'est vraiment super bien, elles marchent super bien et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, j'aimerais bien l'avoir, je pense pas que je l'aurai là parce que ça fait beaucoup, et le casque et l'enceinte, mais peut-être pour mes 18 ans. Ensuite, prochain truc, j'aimerais trop avoir un nouvel appareil photo. Alors, je vous explique parce que je sais très bien pertinemment que j'aurai pas d'appareil photo à Noël, je l'ai même pas demandé. Voilà, ça coûte trop cher, mais il y a un appareil photo, c'est celui de Craig's Way. Je vous mets le modèle ici parce que je me souviens plus exactement, qui coûte 2500€, c'est énorme. Mais bah j'espère dans quelques années regarder cette vidéo et me dire oh, je me le suis acheté avec mes salaires, voilà. Mais je sais que c'est énorme, vraiment j'en suis consciente, je m'achèterai pas un appareil photo aussi cher. J'adore mon appareil photo mais je peux pas brancher mon micro, c'est hyper chiant pour le montage. Et il est cool pour les vlogs mais par exemple pour filmer de nuit c'est pas ouf ouf ouf. Mais voilà. Ensuite, autre truc que j'aimerais trop avoir, et là on passe un peu dans ma catégorie vie étudiante. Je suis pas encore une étudiante, je suis lycéenne, mais je suis trop dans l'optique de ma vie future. En plus, enfin comme j'ai un peu genre une chambre mini cuisine, mini truc et tout, bah je suis habituée en quelque sorte, enfin même je suis assez autonome, donc en fait je sais pas, je réfléchis déjà à ce que je voudrais dans mon futur appart si je pars de Rouen, ce qui est ridicule, j'aurais sûrement une chambre de 9 mètres carrés, enfin bref. Voilà, c'est un tapis, donc déjà j'adore les tapis en fausse peau de bête, mais je trouve ça hyper cher. Et là j'ai trouvé un tapis sur Ikea, mais il coûte plus de 100 balles, donc je pense que je l'aurai pas. Si vous connaissez des endroits où je pourrais en avoir pour moins cher, dites-moi ça. Et c'est un tapis, mais il est trop beau, il est blanc. Je trouve qu'un tapis ça habille un endroit. Si vous avez des petits espaces, enfin je trouve ça trop beau, mais après je suis allergique aux acariens.
Donc je pense que ce sera pas ouf pour moi, mais vraiment je le mets sur une liste parce que j'adore. Alors ensuite, j'aimerais bien, encore un truc, vie étudiante, avoir un mini aspirateur. Voilà, parce que évidemment il y a des aspirateurs chez moi, mais je sais pas, je trouve ça hyper chiant les gros aspis. Et je trouve que l'aspirateur, ça peut devenir vraiment un élément de déco. Je sais pas s'il en existe des roses ou des couleurs un peu genre jolies, claires, pastel, mais j'aimerais trop avoir un mini aspirateur comme une mini machine à laver. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je trouverais ça trop stylé. Et je me dis, c'est vraiment des objets dont tu vas te servir tout le temps. Oui, parce que en fait, à Noël, j'adore avoir des objets. J'aime pas trop avoir de l'argent parce que je trouve ça cool, mais j'aime trop penser à la personne quand j'utilise les objets. Et en plus, j'aime trop avoir des surprises. Donc, enfin, je fais une wishlist, mais c'est plus pour moi-même. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, pour vous donner des idées, pour vos potes, pour vous. Mais voilà, enfin, vraiment, j'adore avoir des surprises. Donc, un truc que j'aimerais avoir, c'est un fauteuil. Donc, pourtant, j'ai un fauteuil de bureau, mais j'en ai vu un trop beau chez Maison du Monde, mais ça coûte super cher. 80 balles. C'est un fauteuil un peu design en moumoute. Je vous mettrai une photo ici si je le retrouve. Je mettrai évidemment le lien de tout ce que j'aimerais bien avoir en barre d'infos. Et voilà, franchement, il est trop trop beau. J'adore vraiment. Ensuite, on va passer catégorie mode. J'adorerais avoir des Converse. Mais franchement, je trouve que le prix ne vaut pas l'objet. Je trouve que les Converse, c'est hyper cher. J'en ai jamais eu des vrais, je crois que j'en avais eu des fausses quand j'étais petite. Mais ma mère en avait et mes potes en avaient, et ça a l'air tellement pas confortable, et à ce qui c'est pas du tout confortable. Donc je trouve ça vraiment joli, je trouve que ça, c'est basique pour une tenue. Mais voilà, plutôt d'occasion ou en moins cher. J'adore les noirs et j'adore les rouges et les hautes, parce que les bas, je suis pas trop fan, enfin j'aime pas trop. Ensuite, j'aimerais bien avoir d'autres baskets, des sneakers, mais j'arrive pas à trouver un modèle. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, ça fait genre un an, moi mes chaussures je les use jusqu'au bout. Et donc je sais pas, j'adore les nouveaux modèles vraiment streetwear et tout. J'aime bien les montantes, sauf que c'est toujours cher. Et j'ai l'impression qu'on les voit tout le temps sur Insta, mais je les trouve jamais en magasin, je les trouve jamais autre part. Donc je sais pas trop, mais j'aimerais trop avoir des sneakers, pourquoi pas avoir une surprise. Voilà. Autre chose, vêtements, j'aimerais beaucoup avoir une grosse doudoune. Alors j'ai un manteau en fausse fourrure que j'aime beaucoup, mais ça fait un an que je le porte, il est très chaud, il est bien. Mais en fait, dès qu'il pleut, bah c'est pas du tout ouf et ça sent le chien mouillé. Je sens le chien mouillé toute la journée, donc c'est pas ouf. Et j'adore les grosses doudounes oversize de couleurs vraiment particulières. Mais j'ai peur que la mode change et surtout ça coûte encore une fois hyper cher si vous en connaissez des pas trop chers. Genre j'aimerais bien avoir des nouveaux vêtements. Ensuite on va passer catégorie maquillage. Voilà, il faut savoir que j'ai gagné 20€ grâce à un concours sur Insta. Chez Printemps, donc 20€ chez Printemps en soi c'est pas énorme, mais c'est cool parce qu'ils font du mix. Donc je vais, je pense, m'acheter un lipstick NYX, un anti-cerne et pourquoi pas une poudre matifiante. Voilà, j'ai vraiment plus de maquillage. Il faut savoir que mon fond de teint c'est ma crème solaire teintée. Je suis peut-être une youtubeuse beauté, mais vraiment, moi et le maquillage, ça fait 36 000. J'aime pas dépenser mon argent. Je trouve qu'en plus, c'est tout le temps des produits pas ouf pour la peau, mais en même temps, j'aime bien me maquiller. Et j'assume pas tous les jours ma tête sans maquillage, donc c'est assez contradictoire. Voilà. Un peu aussi dans la catégorie soins beauté, j'aimerais trop avoir des trucs un peu bio. Je vais pas dire ici parce que voilà, mais j'aimerais trop tester que ce soit de la bouffe, que ce soit. Des produits pour cheveux, pour visage, enfin j'aime trop le délire un peu vegan, bon pour la peau et voilà, donc pourquoi pas. Enfin en fait j'aimerais bien par exemple les box comme ça et tout, mais encore une fois ça coûte super cher, donc c'est mon gros problème. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je retiens encore une fois, je sais très bien que je vais pas tout avoir, je sais même pas le but, je préfère largement avoir des surprises, mais je trouve ça cool de vous dire. En fait je trouve que ce que je demande, ça en dit un peu plus sur moi et vous apprenez à me connaître, et puis ça peut vraiment vous donner des idées même pour vous, parce que
Vous savez, des fois, les gens, ils te demandent « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Et t'es en mode « Bah... » Et là, la plupart des trucs dont je vous parle, c'est des choses pas trop chères. Encore une fois, voilà, je fais pas du tout ça pour me vanter. Parce que de toute façon, je pourrais être une grosse mytho et genre ne rien avoir à Noël et juste vous faire genre... Alors là, je demande un iPhone X. Je pense que mes parents vont me l'acheter. Alors que c'est complètement faux. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, mercredi ou dimanche, pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau weekly vlog. Et dites-moi si vous voulez voir certaines vidéos dans la série Noël. Bye, la mif.